Je suis sûre que votre femme va trouver quelque chose à son goût. Ce n'est pas ma femme, je ne suis pas encore son amant. Sublime, non? À tomber. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a, cette robe? C'est une robe de pute. T'as pas fini? T'as pas aimé? C'est un peu dur, Marido, mais laisse Geneviève cuisiner, tu ne sais pas faire la cuisine. Je sais même pas ce que vous faites dans la vie. J'écris, je suis scénariste. Vous travaillez? C'est mon mari qui travaille. Il est dans le BTP. Et ça veut dire quoi? Bâtiment travaux publics. Côté cœur. Bah, il a le vélo. Tu m'as pas vu tomber? T'es passé devant moi sans me voir? Mais non, je t'ai pas vu. Marido, à l'avenir, j'aimerais du mercurochrome incolore dans la trousse d'urgence, s'il te plaît. J'aurai mon déjeuner. Ma patience a des limites. La mienne aussi. Je te quitte. Je demande le divorce. T'as pas beau me dire toutes ces horreurs, je reste. Tu restes. Voilà, je suis malade. Je vous rappelle. Malade ou pas malade, tu recevras demain la lettre de mon avocat. Comment il a poussé le cycliste? En pleine gueule. Ah mais, quitter? Oui, quitter. Définitivement. Vous me remettez? Ah non, vous allez me foutre la paix. Pour s'accrocher, il s'accroche. Hein. Il a rien trouvé de mieux que de s'entraîner dans la pièce à côté le jour de mon cocktail. Il me fait honte. Marido, c'est quoi cette chose en robe de chambre dans le couloir? Tu veux que je te dise? Plus je le connais, plus il me plaît. Bah tu plaisantes, j'espère. Ouais, la porte! T'as le programme, conditions extrêmes! Il y a même une option neige. Pour divorcer, faut être deux. Je l'ai flingué. Vous allez m'aider, hein? À quoi? À récupérer Marido? Oh, il est chier, lui. J'ai vu le panneau Blonville et ça m'a rappelé quelque chose.